continuer avec la réaction acte 2. Nous avons vu la réaction acte 1 la dernière fois. Allons voir la réaction acte 2. Voilà, le grand thème que nous développons depuis un moment, c'est comment ça marche en 2019. Dis à ton voisin comment ça marche en 2019. Pour que ça marche, il faut avoir aussi la réaction qui est appropriée. Alléluia. Et nous avons défini la réaction comme étant répond d'une certaine manière à une action, à un événement. S'opposer activement à quelque chose. Alléluia. Répond d'une certaine manière à une action, à un événement. S'opposer activement à quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la réaction d'un homme, un grand homme. Il s'appelle Ézéchias. Dis à ton voisin la réaction d'Ézéchias. Et la dernière fois, je vous ai dit que la réaction d'un enfant de Dieu compte beaucoup pour la suite des événements. Quelqu'un me dit amen. Amen. On mesurera le niveau de ta foi chrétienne à la dimension de la réaction que tu as, que tu auras devant un événement. Parce que l'enfant de la lumière n'a pas la même réaction que l'enfant des ténèbres. Je voudrais que tu le saches très bien. Alors, la Bible nous dit en Ésaïe, le chapitre 36, parlant de la réaction de l'homme, comment ça marche en 2019, c'est le grand thème, avec pour sous-thème, la réaction que nous avons vue la dernière fois, que nous avons définie aussi comme étant répondre d'une certaine manière à une action, à un événement, s'opposer activement à quelque chose, réagir, c'est cela. La Bible déclare que en Ésaïe, le chapitre 36, à partir du verset 4 que nous allons lire, on dit Rab Shaké leur dit, dit à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Pose la question à ton ami, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ça, c'est la question d'un homme à son semblable. On ne peut pas dire la question d'un roi à son homologue roi. Sur quoi tu t'appuies? Quelle est ta confiance? En d'autres temps, pour aller vite, je veux exhorter chacun à lire tout le chapitre de Ésaïe 36. Et on va lire le verset 5 aussi. Il dit, je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence. De la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? C'est toujours un autre roi qui parle à un autre roi, son homologue. On parle de la politique. C'est souvent ce que les hommes disent aux Africains que nous sommes. Toi, tu es qui? C'est sur quoi tu comptes et puis tu parles à nous, tes maîtres de la sorte. Ça va comme ça? Je suis africain, donc je sais mieux parler de moi. Hein? Alors, c'est un autre roi. La Bible dit de ce roi qu'il s'appelait le roi de Syrie. Vous savez, en son temps, chacun selon la force qu'il avait, pouvait se lever pour aller combattre quelqu'un, pour aller se battre contre quelqu'un. En son temps, il n'y avait pas les accords des Genèves. Où on dit un autre état n'attaque pas un autre état, même si, entre guillemets, ça se fait aujourd'hui, mais de façon moderne. La Bible dit en son temps, le roi de Syrie, il s'est levé, et puis il va dire à son collègue roi, homologue roi, qui est le roi de Juda, qui s'appelait Ézéchias. Il dit au roi de Juda, en d'autres termes, accepte d'être sous
mon commandement. En d'autres termes, faut accepter d'être la sous-préfecture de la Syrie. Ça veut dire que toi, tu as ton pays, tu es président là-bas, tu es roi là-bas. Mais voilà ce que moi, le roi Ézéchiel, moi, le roi de Syrie, je te dis, comme je suis puissant, je suis fort, je te demande d'être ma sous-préfecture. Donc toi, devant ton peuple, tu es le sous-préfet. Est-ce que vous comprenez? Les foutaises n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein? Il y a longtemps, les foutaises ont commencé. Pourvu que tu sois grand et puissant, tu te lèves contre ton prochain. Donc quand il met cette menace en évidence, et qu'il va parler au roi Ézéchias, il envoie quelqu'un. Que quelqu'un dise, il envoie quelqu'un. Celui qui ça, il envoie, il s'appelle Rabshaké. Il dit à Rabshaké, dis au roi de Juda, Ézéchias, c'est sur quoi il s'appuie pour que moi, le roi de Syrie, de la Syrie, je lui parle depuis pour qu'il ne comprenne pas. En quoi est-ce qu'il a mis sa confiance? Est-ce qu'il me connaît même? Alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible dit quand cette menace est lancée, le roi de Juda, qui est Ézéchias, ne réagit pas. Là, vous allez comprendre le pro de l'action du roi de la Syrie. On va prendre le verset 10. La Bible dit, d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, ça c'est un roi païen qui parle. Dieu aussi lui parle. En d'autres temps, vous savez, quand les gens sur la face de la terre ont la force, ils pensent que leur force-là n'aura pas de fin. Dis à ton voisin derrière le village. Tu n'es pas assez fort pour rester fort éternellement. Tu n'es pas assez puissant pour rester puissant éternellement. Je le dis à tes ennemis. Il dit c'est la vérité. Tes ennemis ne sont pas assez puissants pour rester puissant éternellement. Parce que derrière puissance, il y a antidote de puissance. Il y a quelqu'un qui détient ça. Voilà ce que Rabshaké va dire. Quand il vient faire la commission qui est le propre, selon moi, qui est le propre dans cette affaire, il dit, d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis montré contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joash, dit à Rabshaké, par tes serviteurs araméens. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ça, ce sont les envoyés du roi de Juda qui disent à Rabshaké qui est l'envoyé du roi de la Syrie. S'il te plaît, tu es venu faire la commission de ton bête, c'est vrai. Mais il faut parler en araméen. Au moins l'araméen, là, ceux qui sont avec nous ne comprennent pas ça. Parce que si tu veux même jeter le propre sur nous, sur notre chef, il faut parler au moins dans une langue que beaucoup ne comprendraient pas ici. Vous allez voir la réponse. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut te déplier, il veut t'humilier, il vient le faire jusque devant tes enfants, jusque devant ceux qui te respectent. Amen. Quelqu'un dit, mon ennemi n'est pas puissant pour rester puissant éternellement. Dis à ton voisin, derrière village à village. La Bible dit, il dit, parle à tes serviteurs araméens, car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Au verset 12, vous savez ce qu'il dit, Rabshaké? Rabshaké répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments? Est-ce que vous comprenez la même? C'est l'envoyé qui dit ça, il dit je parle de la part de mon maître qui m'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vient et puis il dit, je suis venu te voir. Tu dis, mettons-moi à côté. C'est pas un problème, c'est à côté. Il dit, moi je ne bouge pas de plus d'un mètre. Un mètre. Les enfants sont là, faut bouger au moins à un kilomètre. Et puis il commence à parler, on a qu'à parler doucement. Il dit, c'est pas à toi que je suis venu parler. C'est à tes enfants que je suis venu parler pour leur dire que toi leur voilà tiens, la main.
Est-ce que vous comprenez? Il dit, Jésus venu leur dire que le papa même que tu es là, il faut qu'il sache que s'il continue de t'écouter, eux les vont manger leurs excréments. En d'autres termes, c'est qu'ils sortent du secret. Ils vont mettre leur main pour manger. Et on continue. Il dit, puis Rabsaquet s'avança. Ça, c'est l'opprobre des opprobres de l'âme. C'est-à-dire qu'il parle, les gens entendent. Ah, le gars, il est en train de dire quoi avec nos parents? Il est en train de dire quoi avec les envoyés de notre maître? Est-ce que vous comprenez? On sent qu'il y a la tension monte là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, bon, comme vous ne voulez rien entendre, voilà ce que je vais faire. Il commence maintenant. La Bible dit, puis Rabsaquet s'avança et cria de toute sa force. En quelle langue? En langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi d'Assyrie. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui t'a rien fait, quelqu'un qui a son pays, qui a son peuple, qui ne demande pas à mettre toi ton peuple sous son joug, sous sa servitude, qui te laisse en paix, pour que lui aussi vive en paix. Tu te lèves, tu viens l'attaquer, tu viens lui faire la guerre. Et regarde les menaces que tes envoyés, ton envoyé lance. On dit, bon, ça peut rester entre nous, on va se charger de transmettre le message à nos compatriotes. Il dit, non, moi je vais le leur transmettre. Tu veux qu'on parle en guérir là? Non, eux ils ne vont pas guérir. On va parler en français. Je dis, lui là, c'est un plantain. Donc nous on est venu pour le déloger. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire? Et la Bible dit, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Est-ce que vous comprenez? L'humiliation n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Il y a longtemps, ça a commencé. Voilà pourquoi il faut tout faire pour être puissant, frère. Fais tout pour être puissant. Car la Bible déclare que l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Écoute-moi bien. Fais tout pour ne pas être un homme indigent parmi tes contemporains. Fais tout pour être une femme puissante. Une femme qui se fait respecter. Parce que si tu ne te fais pas respecter, les gens vont venir écraser ton honorabilité, ton honneur, ta dignité. Ça, c'est un homme. Il se dit président de son pays, et l'autre aussi est président de son pays. Quelle que soit la petitesse de mon état, quelle que soit la petitesse de ma nation, j'en suis le président. Mais un se lève là-bas, et puis il vient de façon frontale. Là où tu es, désormais moi je vais gérer ton peuple. Ou bien quelque chose soit le sous-préfet. Et puis moi, je suis le super président. Quelqu'un dit ça ne se fera pas ici. Ça ne se fera pas ici. Vous savez, c'était une opprobre, c'était une humiliation qui avait été lancée contre le peuple d'Israël, principalement le peuple de Juda. La Bible dit, quand cette menace est lancée, voici comment va réagir le roi Ézéchias. Il dit, d'abord le gars qui continue au verset 20, il dit parmi tous les dieux de ces pays-là, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? C'est lui qui fait son apologie maintenant. C'est-à-dire que le roi d'Assyrie fait son apologie, il dit, tu me vois, tu sais, je suis puissant. Si tu n'es pas puissant, je n'ai pas venu vers toi. Maintenant, de tous ces peuples que tu as vus autour de toi, que moi j'ai attaqué, là, ils avaient des dieux. Maintenant, qui parmi ce peuple-là, ces peuples-là, ont été délivrés de la main de moi, le roi d'Assyrie, par leur Dieu? Leur Dieu ne les ont jamais délivrés de ma main. Dis à ton voisin, ça c'est leur Dieu. Ça c'est leur Dieu. C'est qu'il justifie quoi? Il justifie ce qu'il te dit. Ce qu'il te dit à toi, c'est que tu cèdes. Sans faire par là. Parce qu'il y a des gens avec qui on fait par là, il y a des gens avec qui on ne fait pas par là. On peut se battre avec quelqu'un si seulement on est de la même catégorie. Mais moi, le roi d'Assyrie, je t'annonce à toi que tous ceux contre qui je me suis battu, tous ceux que moi j'ai attaqué là, aucun,
Parmi ces derniers-là, n'a été délivré de ma main par lui, son Dieu. Jamais. Je les ai frappés. Et puis j'ai frappé le Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? La Bible dit. Nous allons voir la première réaction d'Ézéchias. Quelqu'un dit réaction. Quelqu'un dit en cette année 2019. Il faille que moi. Dis ton nom. J'ai la bonne réaction. J'ai la bonne réaction. J'ai la bonne réaction. La Bible dit, quand les envoyés du roi de Juda ont entendu ces choses, ils sont allés faire le compte rendu à qui? À leur maître. Que le roi Ézéchias. Eux-mêmes qui viennent faire le compte rendu, le CR. Vous savez à quelle porte ils viennent? La Bible dit, au verset 22, il dit, Eliakim, fils de Ikija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias, comment? Les vêtements, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est que ce que toi tu as envoyé sur le terrain pour rencontrer l'envoyé de ton ennemi qui lui-même t'a déclaré la guerre, et ils reviennent avec l'information qu'ils détiennent, les vêtements déjà déchirés. Parce que eux, ils savent aussi que c'est pas comme tout le monde se bat. Dis à ton voisin, c'est vrai. Ce n'est pas comme tout le monde ne se bat. Mais c'est l'Éternel qui va combattre pour moi. C'est Dieu qui va combattre pour moi. Dieu combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. Il faut le dire avec conviction. L'Éternel combattra pour moi. Eux, ils savent. Écoutez, le chien qui a vu le lion n'a pas la même façon de courir que le chien qui n'a pas vu le lion. Eux, ils ont vu, ils ont entendu le lion dans son Donc quand ils prennent l'information, peut-être que le roi à qui ils vont aller faire la commission là, n'a pas eu la primeur d'entendre l'information. Il n'a pas eu, ça veut dire que la grâce peut-être d'entendre de vive voix de la bouche de l'envoyé du roi d'Assyrie, l'information donnée par le roi d'Assyrie. Donc eux, pour se faire comprendre, pour mieux faire passer leur communication, leur information, ils viennent vers leur maître, le roi Ézéchias, les vêtements déjà déchirés. C'est-à-dire que c'est devant le peuple, ils ont déchiré leurs vêtements. Parce que si l'armée qui nous écoute est sur la muraille, l'armée qui est prête à combattre pour nous, a entendu tout ça, on dit, les gars, parlons encore, pardonnez, ce sont mes enfants qui sont quand même, vous préservez ma dignité. Point de dignité préservée. Et puis, ils parlent en langue judaïque. C'est-à-dire que la langue que tous ceux qui sont ici comprennent. Et finalement, il n'y a plus rien. Bien aimé dans le Seigneur. Toutes les fois que l'ennemi aura l'opportunité de t'humilier, il le fera sans hésiter. Est-ce que vous me comprenez? Satan n'est pas là pour s'amuser. Hein? Toutes les fois que tu lui donneras l'opportunité de t'humilier, toutes les fois qu'il aura l'occasion de t'humilier, il le fera sans hésiter. L'objectif du diable, c'est de t'humilier, de déshumaniser, pour ne plus que tu aies du crédit, pour ne plus que tes paroles pèsent au devant des gens désormais. C'est ceux-là qui te respectent là. Ton dernier bastion, c'est devant eux qu'ils viennent dire, tu n'es rien. Maintenant, tes envoyés, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'ils savent déjà que l'armée est déjà paralysée par la peur, par l'inquiétude de l'attaque imminente. Donc eux, ils enlèvent leurs vêtements pour que leur roi, leur maître là, puisse avoir la profondeur de l'information, la pertinence de l'information, pour qu'ils puissent l'avoir, il faut que nous, on se mette dans les conditions, ils doivent aller déchirer nos vêtements. Chose qu'ils vont faire. La Bible dit, il est parlé encore à Ézéchias, que son Dieu en qui il se confie, pendant ce temps je vais en guerre, que son Dieu en qui il se confie ne le trompe pas. Parce que moi, le roi d'Assyrie, j'ai parlé. Ce Dieu, il va te trahir. Il n'est pas aussi fort pour te délivrer de moi ou ma main. Au verset 14.
La Bible dit, lorsque Ézéchias a entendu cette information, elle a été écrite sur un papier, c'est une lettre qui a été envoyée au verset 14. Quand il a reçu la lettre, vous savez ce qu'il a fait? Ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas. Mais la première fois j'ai prié, ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Il a fait comment? Dis à ton voisin, persévère. Continue de persévérer. Ta délivrance n'est pas là, continue de persévérer. Ta délivrance n'est pas là, continue de persévérer. Dis à toi-même, persévère, persévère, persévère. Continue de persévérer, ta délivrance n'est pas loin. Gens qui passent au problème ne viennent que dans la présence de Dieu une seule fois. Après ça, on ne les voit plus. Dieu n'est pas tic-tac. Dieu n'est pas tic-tac. Dieu, ce n'est pas du tic-tac. Dans tous les cas, il est déjà prié. Il sait qu'il va, mais s'il n'a pas aussi, il va moi chercher ma solution ailleurs. Et tu auras ta solution ailleurs avec beaucoup d'humiliation et de dépit. La énième information qui lui parvient, cette fois-ci par écrit, tu vois ce qu'il fait encore? Il n'appelle plus Esaïe parce qu'il sait que ce qui est arrivé là, ça a dépassé la compétence d'Esaïe. Tu sais, le pasteur fera sa part, mais toi, il y a quelque chose que Dieu te demande personnellement. N'oublie pas de faire ta part. Amen. N'oublie pas de porter ta croix. Parce que chacun doit porter sa croix. Amen. La première fois quand il entre, il appelle qui? Allez appeler Esaïe. Et la deuxième fois, il prend lui-même personnellement la lettre. Et puis il va où? Dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Il déploie la lettre. Merci Seigneur. Vous savez, Dieu veut tellement te bénir, veut tellement te briser, qu'il ne permettra pas que souvent l'ordre de Dieu soit associé à ce qu'il veut te donner. Parce qu'il veut que tu fasses une expérience personnelle avec lui. Amen. Je vous le disais la dernière fois. Il y a quelqu'un qui a pris une information bizarre. Avant que la personne ne vienne m'en parler, la personne avait pris 3 jours de jeûne sec. Il dit, waouh, c'est la réaction d'un homme de Dieu ça. C'est la réaction d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu. 3 jours de jeûne sec avant de venir parler au pasteur. C'est bon. Mais il y a des gens qui, dans la foi, ne veulent pas faire d'effort. Ils ne veulent pas faire d'effort. Tu leur demandes, mais mon fils, est-ce que tu es venu à l'église? Est-ce que... Non, papa, bon, j'ai parlé de ça, bon, c'est bon, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On ne fait pas ça faire. Et c'est que ça a été éprouvé. 2 menaces. La deuxième, elle est plus claire. Parce que certainement, les gens ont fait un compte-rendu. Vous savez, dans le compte-rendu, on peut omettre des choses. Hein. Mais quand on écrit, avec... immédiat. C'est moi le roi d'Assyrie qui te dit. Mon béni, il ne faut pas durer dans ce rêve. Dieu même à qui tu as mis ta preuve va te t'abandonner. Il va te délaisser. Puis moi-même là, c'est lui qui m'a envoyé contre toi. Est-ce que tu comprends? La Bible dit qu'il reçoit cette lettre. Il faut que moi je fasse ma part. C'est la réaction qu'un fils ou une fille de Dieu doit avoir sur toi. Fais ta part. Toutes les fois que la situation vient, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur attitude, fais ta part. Cherche le Seigneur, cherche la présence de Dieu et Dieu te répondra. Cherche le Seigneur. Cherche-le. Tu n'es pas le premier à qui ces choses sont arrivées. Tu n'es pas la première à qui ces choses sont arrivées. Parce que si tu t'assois, le roi d'Assyrie n'est pas loin. Il va venir de régler le cas du Liban. Il va régler l'autre cas de l'Éthiopie. Et puis il va venir contre toi. Et s'il vient contre toi, une armée qui a beaucoup fait la guerre est une armée aguerrie. Comme l'armée tchadienne en Afrique de l'Ouest est une armée aguerrie. Donc on va combattre contre les terroristes au nord du Mali. C'est l'armée tchadienne qu'on... Parce qu'ils sont à... Même au nord du Niger, on les prend aussi. Parce qu'à force de faire la guerre, je me développe sur lui. Non, j'ai. On dit à quoi? Ah oui, non, c'est les petites choses là. D'accord, ok, laissez. Bon, nous voilà nos contrats. Hein? Signez le contrat. 20 millions, 20 millions par soldat. C'est un petit plombard. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Si tu abandonnes, frère, si tu t'abandonnes, c'est-à-dire aux hommes, si tu t'abandonnes à d'autres conseillers autres que le Seigneur Jésus-Christ, je t'annonce ce matin que le roi d'Assyrie arrive, il n'est pas loin, il arrive. Quand il va finir de battre le Liban, battre l'Éthiopie, la furie avec laquelle il viendra. La furie avec laquelle il viendra. Tu vas faire la victime de Bruce Lee à l'époque. Et puis quelqu'un le blesse. Quand le blesse dans son sang pour lui, il fait comme ça. Est-ce que tu comprends ça? C'est quelqu'un qui quitte en guerre, qui a fini de battre un premier pays, qui a fini de battre un deuxième pays, qui vient contre toi. Frère, il ne sait pas quel garçon tu as en toi qui peut l'arrêter. La Bible dit ce qu'il fait, c'est de se rendre automatiquement de la présence de Dieu. Écoute-moi bien. Le fait de se rendre à la présence de Dieu est une réaction merveilleuse, est une réaction excellente. Je prie que tu aies cette réaction en 2019. Quelqu'un dit amen. Aie cette réaction. Agis de la sorte en 2019. Tes ennemis s'agitent. Ils s'agitent. Ils se lèvent. Ils sautent. Eux, ils conduisent leur char. Eux, ils conduisent leurs chevaux. Eux, ils conduisent leurs chevaliers. Toi, tu comptes sur quoi? Toi, tu comptes sur quoi? Dieu, il est où ça? Dieu, il est où ça? C'est qui m'étonne souvent sur les gens? Yeshaï dit, oh, hey, papa, moi, il dit la foi. Hein? On ne va pas à l'église. Et un madame, non. Il dit la foi. La foi sans la présence de Dieu, c'est une foi morte. Parce qu'il faut que tu entends ce genre de paroles. Il faut que tu entends ce genre de louanges pour que ta foi soit aiguisée. Mais toi, ta foi que tu vis, voilà un homme, hein? Première fois, il va dans la maison de. Deuxième fois, quand il reçoit la lettre, il va dans la maison de. Toi, tu vas dans la maison de qui? La Bible dit quoi? Et c'est qu'il a pris la lettre de la main des messagers, l'a lu. Puis il monta à la maison de l'Éternel, la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées. Il dit quoi? Éternel quoi? Éternel quoi? Toutes les armées qui existent au monde ont pour chef d'état-major, ont pour puissant roi l'Éternel des armées. Est-ce que tu comprends? Mais avant que l'armée ne te délivre, il faut mettre ta confiance en l'Éternel pour que l'Éternel équipe l'armée, pour que l'armée puisse te délivrer. La Bible dit: Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu dans tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles de qui? De Sanchérib, que Sanchérib a envoyé pour insulter ô Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ils n'étaient point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. En fait, c'est lui qui l'a envoyé du roi. Tous les rangs de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Premièrement, on avait envoyé qui? Les serviteurs allaient appeler qui? Appeler qui? Esaïe. Maintenant, cette fois-ci, on dit: alors, fils d'Amoc, Esaïe, fils d'Amoc, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu quoi? Souvent, quand tu fais le premier effort et tu te limites là, tu dis: je n'ai pas encore bien entendu. Tu sais là, et voilà. Mais toi, tu penses que tu as trompé. La Bible dit que quand Jésus-Christ a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour que tout le peuple puisse manger, là, ils sont restés, ils sont attendus pendant longtemps. Ils sont attendus, l'heure était déjà avancée. Toi, tu n'aimes pas attendre. Pour toi, c'est l'impatience. 50-50. Rapide. Les enfants pressés. De la nouvelle génération de Dieu. Pressé, ils arrivent. Oh mon Dieu, mon roi, je te demande pardon, exauce-moi. Yo, merci. Alléluia, amen. C'est pour moi. Attends, avec Dieu, il n'y a pas de hip-hop. Est-ce que tu comprends? Premièrement, lui, le roi, il envoie appeler qui? Esaïe.
Et cette fois-ci, quand il reçoit la lettre, c'est lui-même qui prend la lettre, qui l'envoie dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu va dire maintenant à Isaïe? Va, parle à mon roi, parle à mon serviteur Ézéchias. Et dis-lui, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. Quelqu'un dit c'est vrai. C'est vrai. Elle te méprise, elle se moque de toi. Quelqu'un dit c'est vrai. C'est vrai. Toi la vierge de Sion, elle hoche la tête après toi. On te voit. Ah, oh. C'est comme ça qu'on te voit, hein? C'est ça. On te voit. Se moque de toi. Les gars, c'est mon chaussier. Il se moque. As-tu insulté ou outragé? Contre qui as-tu levé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Écoute-moi bien. Toutes les fois que quelqu'un te fera la guerre, ce n'est pas à toi qu'il fait la guerre. Il fait la guerre à celui qui est là-haut. Amen. En qui tu as mis ta confiance. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Il dit par tes serviteurs, c'est-à-dire par tes envoyés. Tu as insulté le Seigneur et tu as dit avec la multitude de mes chars. J'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cèpres. J'atteindrai sa dernière cime, la forêt semblable à un verger. J'ai ouvert les sources et j'en ai bu les eaux. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès le temps ancien? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses les villes, des villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. Et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, il parle comme ça à tes ennemis. Ton arrogance, c'est toutes les fois que quelqu'un manifeste l'arrogance vers contre un enfant de Dieu, c'est contre Dieu qu'il manifeste cette arrogance. Il te mettait ta bouche à tes narines, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ce soit toi, que ce soit. Un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem sortira un reste et de la montagne de Sion. Des réchappés, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi. Dis à ton voisin, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Tu n'entreras point dans cette ville. Que quelqu'un dit n'entrera point dans ma vie. Il n'entrera point dans ma vie. C'est ce que je t'ai dit d'emblée. Je t'ai dit, ils ne sont pas encore venus. Ils n'ont que lancé des menaces. La lettre de radiation n'est pas encore venue parce qu'ils n'ont que lancé des. La lettre de licenciement n'est pas encore venue, ils n'ont que lancé des. La lettre de divorce n'est pas encore venue, ils n'ont que lancé des. Ces menaces, là, ils ont lancé. Dis à ton frère, c'est menace. C'est menace. Dis à ta soeur, c'est menace. C'est menace. Menace verbale. Tout le monde fait menace verbale. Moi, il m'assoit, il dit, il peut frapper Taïson. De matin jusqu'au soir, il y a eu le beauté. Tout le monde le croira parce que. Où vient voir Taïson pour le frapper? Je ne le verrai jamais pour le frapper. Lui et moi, on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même compartiment, sous le même ciel. Lui, il est dans sa vie, moi, je suis dans ma. Donc, comment il entre de vous dire le frère? Et ça, c'est ma bouche. Bouche de l'homme. C'est comme bouche de lui. Ça bouche parle tellement que si tu écoutes sa bouche, tu es déjà vaincu. C'est ce que nos ancêtres, les Gaulois, sont. La diplomatie parlementaire, ils sont dangereux. Ah, mais quand ils vont en Afghanistan, ils sont dans la cuisine, ils font les repas, parce qu'ils sont prêts dans l'exploration au monde. Ils
sait pourquoi. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Il ne se lèvera point de retranchement contre elle. Il ne s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Il dit quoi? Je protégerai cette ville pour la... Je protégerai cette ville pour la... Quelqu'un dit l'Éternel me protégera pour me sauver. L'Éternel me protégera pour me sauver. Il dit à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Et qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? L'âme de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp. Quelqu'un dit levera son camp. Il partit et s'en retourna. Et il resta où ça? À Ninive. Or, comme il s'était prosterné dans la maison de Nisra, son dieu, Adramelech et Charabster, ses fils, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Tu sais, tu n'auras pas apporté le péché de quelqu'un sur la terre. Quelqu'un qui a tué les gens, toi tu as vu les tuer. On dit tue-le. C'est pas les dieux. Faut laisser. C'est entre eux, mais ils vont se porter les péchés. Est-ce que tu peux comprendre? On n'a pas dit que quelqu'un qui a trop péché, quand tu le tues, tu prends ses voix. C'est quelqu'un qui a trop péché. On dit qu'Caïn, il a tué Abel. Abel sera vendu combien? 7 fois. Et Caïn, quand on va tuer, il sera vendu combien? 77 fois. Faut pas tuer un mauvais haut. Ne le tue pas de tes mains, frère. Si quelqu'un est mauvais, jusqu'à ne faudrait pas que toi ta main là soit associée à sa mort. Dans tous les cas, il finira, il partira. Laisse-le. Est-ce que tu le vois? Sanchérib, le roi d'Assyrie, ce n'est pas Israël qui va le tuer. Il a tellement fait du mal. Est-ce que vous comprenez? La Bible, ce sont ses enfants. Les enfants qui ont vécu dans le péché comme leur papa, c'est eux-mêmes qui vont se lever et puis ils vont faire quoi? Ils vont porter le coup de grâce à leur père, alors qu'il était où ça? Dans le temple de lui son Dieu. Quelqu'un dit, je ne le toucherai pas. L'Éternel lui-même va le faire tomber. Amen. L'Éternel lui-même va le faire tuer, va le faire mourir. Mais moi, ma mère dans sa mort, jamais. Lui, il a tué des gens. Que Dieu va vouloir venger cette fois. Mais lui, si on le tue, son péché va retomber sur lui, sur nous. Quelqu'un dit, je ne toucherai pas mon ennemi. Je ne salirai pas mes mains. Mais l'Éternel lui-même s'en chargera. Au nom de Jésus. Et vous voyez, si tu as cette bonne réaction en 2019, tous tes ennemis, le Seigneur va se charger d'eux. Amen. Tu n'auras même pas à les toucher. Amen. Tu n'auras même pas à pomper. Amen. Tu n'auras même pas à faire couler ta sueur. Tu les regardes comme ça. Et puis entre eux, ils vont eux-mêmes se tuer. Amen. Tu ne porteras pas de coup de grâce à ton ennemi. Vous savez, malgré le mal que Saül a fait à David, quand Saül était presque mort, on a appelé qui? On a appelé David, on dit il faut aller porter le petit jamais. Et si quelqu'un avait tué Saül, moi David, je vais le faire tuer parce que c'est pas normal que tu le tues. Il a fait son mal, il a fait ses malheurs, il a fait ses crimes. Laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. S'il a échappé à la justice des hommes, il n'échappera jamais à la justice de Dieu. Et quand la justice de Dieu se grandit, c'est entre lui-même, ses amis, ses frères. Voilà pourquoi vous entendrez, il a été tué par son qui? Son David. Parce que lui aussi, il n'a pas trop péché comme toi. Il ne faut jamais mettre ta main sur lui. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut jamais mettre ta main sur lui. Quand Dieu venge, ça se vend. Quand il avance, il ne permet même pas qu'elle touche. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que ma main est là, jamais. Il s'arrange entre eux. Et puis moi, ce que je reçois, c'est l'acclamation et les témoignages. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si en cette année, dis à ton âme, si en cette année, si en cette année j'agis exactement. Comme Dieu veut que je réagisse, je n'aurai pas à tuer les ennemis de mes propres mains. L'Éternel lui-même s'en chargera.
Au nom de Jésus, acclame fortement.